Je le sens. Ah, je le sens. C'est ça. Silence. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Que les dieux nous en épargnent. J'espère que cette calamité ne va ravager notre terre avant que les esprits de mes aïeux ne s'en aillent. Yarimon, oh, ci sono. De notre terre. Je vous supplie. Je vous supplie. Je vous prie. Je fais recours à vous. Faites quelque chose. La calamité sur le point d'arriver brisera les fondements de notre royaume. Je me sens perdue dans le monde des esprits. Hey, j'essaie de dire que et que même. Oh. Il m'aime. Je suis sûre de cela. Et il m'avait aussi déjà dit ça. Tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Mais je sais que tu tomberas sur amoureuse. Ok. Je sais, mais Ike même, il m'avait déjà dit cela. Oui. Comme ma Ike, je te montrerai ça bientôt. Je te montrerai ça. Oh, enfin, nous sommes arrivés. Lydie, il risque de te voir encore. Tu parais très belle. Lydie, vraiment. Oh, et toi, ça va? Oh, Lydie. Oh, Lydie, tu peux le répéter encore. Bien sûr, maman. Nous avons attendu ce jour
pendant longtemps, je peux finalement voir l'accomplissement de mon rêve. Ma reine, tu sais exactement pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Je sais, mais... Oh, pas mais! Pas mais, ma reine! Mon défunt mari est la raison pour laquelle vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. De tout ce qui t'entoure, le palais, le trône et toute propriété de terre, ma reine. Bien sûr! C'est juste un merci pour mon défunt mari. Et tu te souviens du pacte que toi et ton mari avaient fait, n'est-ce pas? Que je vais épouser ton fils Tennyson quand le moment arrivera. Les moments, c'est maintenant. Le moment est arrivé et raison pour laquelle nous sommes ici. Oh, 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 oh. Ceci mérite un toast, mon bébé. Bien sûr, maman, pourquoi pas? Et aussi, tu dois dire au peuple qui sera la prochaine reine. Et toi, ma reine, tu dois en être sûre. Ledvi. Oui. Pourquoi vous essayez de mentionner mon fils dans vos accusations? Quoi? Maintenant, écoute-moi, Alero. La vérité est que ton fils, Tennyson, ne peut pas être roi, excepté s'il épouse ma fille. Prends-les en considération, parce que c'est pourquoi nous sommes ici. Ok? Voilà, je l'ai trouvé. Ah, heureusement, je les ai trouvés. Je vais me faire très belle. Non, ceci est passable. C'est joli. Oh, c'est mon fils. Comment vas-tu, fils? Ta maman va bien. Je suis impatiente de te voir, fils. Oh! Je ne peux pas attendre, fils. Ce serait vraiment génial. Tu m'as aussi manqué, fils. Celle-là, tu connais l'histoire. Fils, c'est ce que je souhaite. Oui, je ne le prends pas grave. C'est ce que je fais. Je ne le prends pas grave, fils. Je suis impatiente. Je suis impatiente, mon fils. Bye, mon fils. Ah, mon fils. Ah. Mon Dieu. Où sont les servantes? Où sont-elles? Où sont les servantes? Elles doivent venir. Ah, ça ira mieux. T'inquiète pas, mon fils. Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé, j'étais un peu distrait avec mon téléphone, c'est pourquoi. Hey! J'espère que je ne t'ai pas fait mal. Non, pas du tout. Tu vas bien? Je vais bien. Tu dois être le prince Tennyson. Mais comment tu l'as su? Eh bien, par ta façon de t'habiller, tout le monde peut le dire. Et... j'ai trop entendu en ton sujet. Oh oui, je suis Tennyson. Je vous salue, mon prince. Je m'appelle Rolly. Rolly Louboué.
un joli nom pour une belle fille comme toi. Merci beaucoup, mon prince. Oui. Une fois de plus, je suis vraiment désolé pour ça. Non, c'est bon, c'est bon. Bien, si ça ne te dérange pas, on peut être des amis. Amis? Ah, oui, mon prince. Une fois de plus, je suis désolé pour ça. Ce n'est pas un problème. Bien. Bye. À plus tard. Tracy, maman. Viens, 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 viens. Viens, le prince est en route. Viens, viens. Est-ce que tout va bien? Assieds-toi. Nous accomplirons notre plan par émotion. Nous ne sommes pas ici pour blaguer, Tracy. Maman. N'est-ce pas que tu l'avais entendu? Elle l'avait dit. Et si il ne parvenait pas à m'aimer? Je veux dire, comment peut-il m'abandonner? Le prince n'est pas amoureux de moi. Allons, Tracy, ne t'inquiète pas pour ça. Le prince n'a aucun choix. Il est obligé de t'aimer. Nous devrions voir les choses logiquement. Je veux dire, pourquoi il ne le peut pas? Je veux dire, pourquoi il ne le ferait pas? Tracy, tu dois comprendre. Si le prince ne t'aime pas, alors nous devons faire à ce qu'il puisse t'aimer. Parce qu'il doit simplement t'aimer. Ok? Est-ce que tu me comprends? C'est bon de l'entendre. C'est bon à l'entendre. Merveilleux. C'est vraiment radieux. C'est vraiment question d'esprit, ma chérie. Tout ce qui se trouve ici nous appartient. Les propriétés, toutes les terres, toutes les choses. Toutes ces choses étaient à ton père. Il a été très intelligent. Et maintenant, toutes ces choses doivent tout nous revenir parce que nous allons reprendre tout. Ils nous reviendront tous parce que nous sommes les élites sociales dans ce village. Tu peux le redire encore? Le femme du... pouvoir et de la dignité. Ouais. Classe, et nous avons bien voyagé. Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Jason, tu vas me donner cet alcool maintenant. Non, maman, maintenant. Non. Tu as commencé à boire depuis hier. Puis-je la maman, voir? Maman, je t'en prie. Tu veux faire du mal à mon bébé. J'ai dit, donne-moi cette bouteille. Non, maman, arrête ça, je t'en prie. Maman. Tu ne peux pas traiter ton sang de cette manière. Ce n'est pas un enfant. Je crois qu'il sait ce qui est bien, ce qui ne l'est pas pour lui. Ouais. Il devient ivre et tu me dis du fait qu'il est un enfant. Donne-moi cette Comment bouteille. Je ne peux pas être avec toi, je ne peux pas produire... Tosan. Frérot. Je t'aime, frérot, je t'aime. Oh. Je t'aime aussi, mon frère. Mais il faut que tu modères un peu avec ça. Ok. Tu en veux? Non, pas du tout. Non. Tu ne touches pas ma bouteille, maman. Tu vois la façon dont il se comporte. Maman, je vais très bien. Je crois que Tosan ne fait que vivre son âge. D'accord? Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. D'accord. Oh, voyons qui nous avons là. Le prince de notre royaume. Bienvenue à la maison. Oh, merci beaucoup. Ça faisait très longtemps, je vois. Bien sûr, ça fait vraiment longtemps. Tu y as tellement grandi. Oh non, je suis toujours le même garçon. Et je te présente ma fille Tracy. Oui. Un plaisir. Oui.
Je suis très émue de vous rencontrer, mon prince. Je ne peux pas attendre d'avoir à mes côtés. Pas besoin d'attendre encore, ma chérie. Le prince est là. Alors, pourrions-nous commencer la préparation, ma reine? Bien sûr. Oui, maman. Salut. Mon prince. Comment vas-tu? Je vous salue. Ma très belle amie. Mon prince. C'est comme dans un rêve. Oh non, tu ne rêves pas. C'est bien moi qui me tiens devant toi. Mon prince, comment étais-tu capable de reconnaître ma maison? Oh, j'ai posé des questions. Et voilà, j'ai trouvé où tu restes. Écoute, je suis là pour te remercier d'avoir accepté mon amitié. Non, mon prince. Je devrais être celle qui doit te remercier. Après avoir prêté ton attention à une fille comme moi. Et qui a dit que tu es local? Tu sais, quand je regarde dans tes yeux, je vois une femme qui est déterminée à tout gagner dans la vie. Merci. Mon prince. Ne m'appelle pas mon prince. Je suis Temesan. D'accord, mon prince. Oh. D'accord, prince Temesan. Tu sais, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose qui est vraiment très cher à mon cœur. Oh. Je sais que tu vas aimer. Ok. Une minute, s'il te plaît. Maman, que se passe-t-il? La femme que je dois bientôt épouser. Nous sommes en préparation. Qu'est-ce que je manque déjà? Dis-moi, mon fils. J'avais souhaité t'informer. Tu essaies de me dire quoi exactement, mère? De notre accord. Et il n'y a rien que je puisse faire à propos de cela. Maman, tu commences à parler en parabole. De quelle heure sommes-nous en train de parler ici, maman? Ton père et le chief Andrew, mari de Lady V, ils ont eu un impact que toi, tu marieras à leur fille quand le temps viendra. Quoi? Oui, fils. Quoi? C'est ça la vérité. Non, ça c'est la blague du siècle. Et jamais je n'en ferai partie. Écoute-moi s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. Donne-moi un petit moment de ton temps, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as jamais compris? Je ne veux pas gaspiller du temps pour toi. Je te l'avais dit, peu importe la façon dont tu me veux, ça ne marchera jamais. Je suis amoureuse d'un autre. Et s'il te plaît, arrête de me repousser sans connaître la profondeur de mon affection pour toi, s'il te plaît. Laurie, je suis amoureux de toi. Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour ça. Il y a tant de filles là-bas qui veulent partager ton affection avec toi. Et Laurie n'est pas certainement dedans. L'amour, c'est une force qui n'épargne personne. Et cet amour, on ne peut pas le perdre. On ne peut que les cacher. Je resterai là et attendre jusqu'au jour où tu seras à moi. Je crois en le futur. Parce que là où il y a l'amour, l'obscurité n'existe pas. Quel point intéressant. Mais inutile. Parce que cela a trouvé une mauvaise personne. Laurie. Ah.
Avec ces tourbillons, quelque chose arrive. Pourquoi tu viens vers moi? Je sens ta présence m'approcher en forme de vent pour communier avec moi. Je m'humilie devant vous. Parle-moi dans un langage que je saurais décoder facilement. Mes yeux sont ouverts, attendant voir les mystères cachés de ta présence. Parle-moi, Olomi, la mère des invisibles. Je veux écouter votre voix. Maman, je crois que c'est supposé être une vilaine farce. Vilaine farce? Oui, maman. Cet homme n'a même pas un iota d'affection pour moi. Ça ne pouvait pas se passer de cette manière. Non, pas du tout. Bien sûr que c'est ainsi. J'ai tenté de me rapprocher de lui. Mais il m'a laissé à l'extérieur et est allé courir derrière une autre femme. Peux-tu imaginer ça? Écoute, Tracy, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Maman, que feras-tu pour que cela puisse marcher? Comment? En agissant de ma manière. Je me suis totalement préparée pour cela. Et tu sais ce qui est le plus intéressant? Temison t'appartient. Et à toi seul. Il ne peut être avec une autre femme. Alors c'est pourquoi nous devons nous inquiéter maintenant. C'est notre prochaine étape. Qui est? Comment avoir la reine pour succomber à notre volonté et caprice? Nous allons descendre dans son âme et la manipuler par nos mots. Maman, tu es comme un génie. Allons leur bouger. Allons les bouger. C'est ma maman. Ouais, ce royaume nous appartient et toi, tu deviendras reine. Je suis impatiente, maman. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Cheers, chérie. Oui, tu deviendras reine de ce royaume. Ma reine! Oh, Ledvi! Je pense que tout va bien. Tout va mal. Ma reine. Oui. Que je te donne à boire? Bien sûr, ma chérie. Thank you. Je t'en prie. Ça a bon goût, n'est-ce pas? Rafraîchissant. Ma reine. Ne vois-tu pas?
ton fils? Il est sur le point d'embarquer dans un bateau qui coule déjà. Maman, il a déjà embarqué dans un bateau qui est en train de couler. Sans oublier que c'était un accord que mon père et son mari ont fait. Ma reine Alero, raison pour laquelle tu dois parler à ton fils, Demison. Ma reine, tu dois lui parler. Tu y es sa mère. Je suis en train de parler avec lui. Tomisan est quelqu'un de difficile. Il n'est pas si facile. Raison pour laquelle tu dois être plus persistante. Avant qu'il ne se présente avec quelque autre histoire, qu'il ne peut pas tomber amoureuse d'une autre personne. Je ne peux même plus imaginer combien de ces hommes j'ai pu rejeter. Juste à cause de cette situation. Bien sûr, mon enfant. Bien sûr. Un homme du royaume de Kaleba. Les hommes qui viennent de partout et de très loin. Les hommes de Paris, Londres, Afrique du Sud. Oh! Ma fille, rafraîchis-moi un peu la mémoire. Pourquoi tu avais dit non? Juste à cause de la promesse que j'ai faite à mon père avant qu'il ne meure. Exactement. Mon mari me l'a dit personnellement avant qu'il ne meure. Il disait qu'il retournera dans la tombe. Qu'il ne va pas se reposer dans sa tombe. Si seulement ton fils prenait la main d'une autre, à l'exception de notre fille. Oh non! Alors tu vois, ma reine, la gravité de la situation. Oh, ma reine. Oh, tu sais, nous avons besoin de préserver l'héritage. Tu ne devrais pas accepter que cela arrive. Je le vois. C'est sur le point d'arriver. Je dois l'arrêter. Ma reine, le prince Temison n'est pas encore prêt pour les arrangements du mariage et j'en suis pas contente. Tu dois lui faire entendre raison, parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous devons finir avec les arrangements traditionnels avant de pouvoir passer au mariage blanc. Maman, je suis vraiment désolé. Désolé. Maman. Ma belle maman. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein? Ma magnifique reine. Viens. Je suis désolé, maman, vraiment. Maman, tout ce que je veux, c'est une magnifique bouteille.
en ce jour si fatidique. Désolé maman, désolé. Je ne boirai pas en ta présence, ok? Une chose de plus. Souriez, ok? Le mariage. Je suis désolée, ma chère. Tracy, mon fils n'est pas intéressé. Pourquoi tout le monde ne comprend pas cela? Eh bien, il n'a aucune autre option. Vous entendez? Il doit m'épouser. J'ai vraiment abandonné beaucoup de choses. Il y a-t-il un autre moyen? Ma reine, je suis sûre que tu ne veux pas que ma mère, l'impératrice, ne peut pas entendre ce que tu as dit. Parce que définitivement, j'irai la lui dire. Vie à jamais, votre majesté. Oui, maman. Oui, je ne sais pas ce qui se passe ici. Oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Je te rappelle, maman. Ouh. Que signifie tout ceci? Tu sais, je me demandais... Pourquoi est-ce qu'une très belle femme comme toi, très belle comme ça, qui a un très magnifique futur comme toi, s'inclinerait devant un homme qui, évidemment, ne la regarde presque jamais, même quand elle vient vers lui. Jamais. Dans cette vie, dans celle qui vient, et même dans celle qui n'existe pas. Hein? Oh, peu importe, peu importe. Cela ne me concerne en rien du tout, apparemment. Tu sais quoi? Je n'ai aucunement le temps pour toi aujourd'hui, ok? Mais attends, 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 attends. Où penses-tu aller comme ça? Hein? Oh! Dégage de mon chemin si tu sais ce qui est bon pour toi! Dégage de mon chemin! Bien sûr, bien sûr! Avant cela, avant que tu ne partes, j'ai un très important conseil que j'aimerais partager avec toi. Qui est? N'ose pas. Je répète, n'ose pas situer, hein, tous tes œufs dans un même panier. Tu sais, c'est très dangereux pour le cœur, hein. Et Tosin, Tosin est un bon gars. Eh bien, je ferais mieux de mettre tous mes œufs dans un panier qui a de la valeur, au lieu de le mettre dans de problèmes triviaux. Oh mon Dieu, je dois t'avoir, toi. Je finirai quand même par t'avoir. Oh mon Dieu. Cigarette, cigarette, cigarette. Cigarette. Oh mon bébé, mon bébé.
Non, mais... Anne! Anne! Oui? Oh. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devais voir comment le prince m'a parlé aujourd'hui. Quel genre de prince? Prince Temison. C'est moi notre prince Tommy, ça? Oui. Oh non, non, assieds-toi, on doit en parler. Oh mon Dieu, ma sœur. Tu t'es vu avec prince Tommy, ça? Disons que notre prochain grand roi est en train de te draguer. Oh. Il était sûr merveilleux, je veux dire. Ses yeux... attractent mon âme. Je vois. Oh, ma sœur, c'est une bonne personne. Tu ne sais pas ce que ça veut dire qu'un grand prince te ramène. Hein? Je te le dis. Tu sais d'ailleurs, je pense qu'il veut seulement... il veut juste passer du temps. Et c'est m'a donné ceci. Il m'a donné ceci. Une chaîne est en or. C'est une chaîne est en or. Un gage. Oh, j'aime cela. C'est un or. J'aime ça. Ok. Et je n'ai pas encore fini. Hein. Il me l'a donné. Et... attends, je n'ai pas fini. Il m'a dit que tout ce que je voudrais, que je lui fasse savoir. Qu'il sera toujours là pour moi. Vraiment? Il te l'a vraiment dit? Il me l'a dit. Il t'a dit oui? Me dire quoi? Ben, qu'il t'aime. Pourquoi pas? Je suis sûre qu'il veut juste qu'on soit amis. Juste amis? Tu essaies de me dire que tu ne sais pas quand l'homme commence à t'aimer? Bien sûr. Je sais quand un homme m'aime. Je vois. Tu sais quoi? Donc... je ne suis pas sûre que nous allons en arriver là. Tu vas juste le comprendre bientôt. Bien sûr. Ma sœur, tu dois vraiment saisir cette opportunité. Est-ce que tu comprends? Une opportunité vient qu'une seule fois. Nous allons la considérer maintenant. C'est vrai. Je sais, mais c'est ce que... j'adore ça. J'adore. Une or pure. Une chaîne est en or. Ma sœur, toi et prince Tomisa. Ma princesse, j'ai vu le prince avec une villageoise de basse classe ce matin même. Je vous dis vrai. Oui, très sérieux. Je vous dis ce qui est vrai. Très bien, princesse. Tracy, est-ce que tout va bien? Votre Majesté, toutes choses ne vont pas bien. Rien ne va bien. Ton fils, le prince Temison, est là-bas dehors. Avec cette nymphe, moins que rien. Cette fille locale qui n'a absolument pas une classe sociale. L'embrassant et la caressant. Peux-tu imaginer cela? Ça ne peut pas être vrai. Ça l'est, Votre Majesté. C'est le cas. Tommy, ça connaît son niveau. Il ne peut pas tomber si bas. Ne l'est-il pas? Ne l'est-il pas? Oui, ils peuvent être amis ou quelque chose. Amis? Votre Majesté, as-tu dit amis? Comment le de tout ce royaume d'Iboa peut descendre si bas? Pour se faire amie avec cette fille locale, sans classe. Comment, Votre Majesté, tu te dois de stopper cela. Tu dois le ramener à la raison. Me rappeler à l'ordre. Hein? Ma magnifique maman. Tu sais que je t'aime énormément, maman, hein? Viens là. Allez, viens là. Je t'aime, maman. Ne te colle pas avec moi. C'est bon de te voir, maman. Allons à l'intérieur.
broken. Should I go, should I stay? My heart is aching me, and I'm bleeding inside. Do I still have to stay? It's becoming so toxic, and I don't know what to do. Hey, hey, I am so broken. Ouf! Mon bébé. Tell me this is not true. I don't believe my eyes. Comment c'est super arrivé? Comment nous n'avons jamais parlé de cela? Maman, cela ne peut pas arriver. Je ne peux pas perdre Tennyson juste à cause de cette sac à puce. Je ne peux pas. Parce que tu le peux. Tu peux et tu le veux. Mère, le temps joue à notre défaveur. Qu'allons-nous faire pour arrêter tout ceci? Eh bien, la première des choses que nous devrions faire est que tu y as besoin de te calmer. Me calmer? Comment puis-je être calme face à tout ceci? Comment? Tu dois être calme, ok? Tu dois être calme parce que tu es de la royauté. Tu ne peux pas te comparer avec cette moins que rien, cette nullité. J'en finirai avec elle. J'en prendrai soin aussi longtemps que cette reine à l'héro prendra du temps pour agir. Je veux la placer où elle doit être. Alors, juste. Ok. Ah, bonté divine. Que signifie tout ceci? Tu sais que tu es en train de te faire du mal à toi-même. Dégage de mon chemin! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, babe, écoute-moi. Pourquoi cours-tu après un lait renversé? Hein? Pourquoi? Et que veux-tu dire par lait pourri? Quoi? Ok. Babe, tu sais, je me demande pourquoi est-ce que tu cours derrière mon frère. Il ne sera jamais le tien dans cette vie, dans la suivante, même dans celle qui viendra. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Écoute, je suis au point de devenir la femme de ton grand frère. Ok? Alors n'ose plus jamais refaire cette bêtise. Dégage de mon chemin. N'importe quoi. Oh, mon bébé. Tomisa. Maman. Est-ce que c'est normal? Le royaume est entre tes mains.
Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'inutile. Ça doit être Tracy. Oui, très bien, mais je vais épouser une autre femme. Je m'en fous. Je me fous de ce qu'il arrivera. C'est la tradition. Dans ce cas, tu ne peux pas l'épouser. Je veux dire, ne vois-tu pas? Elle t'a probablement envoûté. Écoute-moi. Je ne laisserai pas ta mère et toi venir ici dans notre maison et vous mettre à contrôler les affaires de ce royaume. Oh oui, je le peux. Et je le ferai. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui à cause de mes parents. Oh non. Tu veux que nous nous prosternions pour lécher tes pieds? Là, c'est assez! Assez! Non, maman, pas comme ça. Je ne vous laisserai pas, toi et ta mère, venir ici dans notre maison commencer à contrôler ma mère. Non, je ne vous laisserai pas. Quoi qu'il arrive, je ne vais jamais tolérer ça. Prince Tennyson, tu tournes le dos à sa majesté. Oh non! C'est à toi que je fais ça. C'est à toi que je fais ça. N'importe quoi. Votre majesté. Anne, qu'y a-t-il encore? Tu as l'air vraiment très inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Inke. Je suis inquiète pour toi. Inquiète à propos de quoi, ma chère? Inke, tu dois vraiment être prudent. Tu dois vraiment être très très prudent, s'il te plaît. Quoi? Prudent à propos de quoi? Ike, la nuit dernière, j'avais fait un rêve pour toi. Et je m'étais réveillée effrayée. Ike, s'il te plaît, sois prudent. Mais quel rêve? J'avais fait un rêve. J'étais cherchée partout dans la communauté. Je t'avais cherchée partout. Ike, je veux dire... J'étais cherchée, mais je ne t'avais pas trouvée. Et voilà pourquoi je suis venue te chercher maintenant. Mais ce n'était juste un rêve. Oui, juste un rêve. Mais tu sais ce qu'ils disent. Les esprits contrôlent tous nos rêves. Ike, s'il te plaît, tu dois être prudent, s'il te plaît. Écoute, ma chère. Je suis là avec toi. Et rien ne va m'arriver du tout. Oui. Okay? Rien de mal t'arrivera. Si quelque chose t'arrive, je ne supporterai pas cela. S'il te plaît. Exact, ma chère. Non, Laurie, tu m'as fait peur. Je vis la façon dont tu traînais avec ces stupides ânes. Non, Laurie, je ne te laisserai pas parler de ma âne de cette manière. Quoi? Non. Qu'est-ce que tu as juste dit? Tu m'as entendu. Où était-elle tout ce temps? Ike, où était-elle? Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Tu es juste mon amie. Mais je t'ai jamais dit que je t'aimais. Tu ne comprends vraiment pas? C'est ce que tu sais de me dire. Je t'ai donné mon corps, mon temps. Et cela t'a jamais dérangé. Qu'est-ce que tu dis? Laurie, je comprends ça. Exact, tu es une bonne personne. Tu es tendre. Mais je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Ok. Tu dois juste comprendre ça, je t'en prie. Tu vois ces larmes qui coulent dans mes yeux. Je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que je te réentre entre mes mains. Et si je ne peux pas t'avoir, personne t'aura. Personne t'aura. C'est quoi ça? C'est quoi ça au juste? Fils.
Maman. S'il te plaît, tu dois réfléchir avec moi et l'épouser. Je ne peux pas, maman. Non, je ne peux pas. Pourquoi suis-je obligé de faire ça? Oui, maman, très bien. Elle peut au moins aller épouser Tosan. Après tout, il a aussi mon sang. Fils, le Dieu ne le reconnaît pas. Tu es celui qu'ils ont choisi. Il doit y avoir une solution, maman. Il doit y avoir une solution. Un autre moyen? Oui. Un autre moyen, maman, qui ne m'oblige pas à épouser cette fille. Qu'est-ce que tu suggères? N'importe quoi, maman. N'importe quoi. Réfléchis. Tomisa. Maman. Hey. Mon cher Tennyson, est-ce que ça va? Tu parais un peu inquiet. Oh oui. Tu sais, je voulais te parler. Vas-y, assieds-toi. Ok. Oui, vas-y. D'accord. Mon père, Omisan Timosan, premier du royaume d'Ibiwa. Oh, merci beaucoup, mon frère. Je t'en prie, bro. Tu sais, je... Mon frère. Bien, comme je disais plus tôt, je sais que mon père avait un pacte avec ton père. Qu'il faut que je te pose. Mais je ne vois pas cela arriver. Il n'y a pas moyen. Ça, c'est bon de l'entendre, bro. Voyons. Oh. Ça, c'est pour toi. Seigneur Thompson. Merci beaucoup. Je suis désolé pour ça. Et comme je disais, je ne vois pas cela arriver. Je suis vraiment désolé. Prince Tennyson, nous pouvons parler de ça encore et encore. Et tu avais dit... Je n'ai rien dit du tout. J'ai juste senti qu'il était temps pour moi de prendre ma propre décision. Oh, vraiment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Payer. Je vais juste durer n'importe quel montant. N'importe quel prix. 100 millions, 200 millions, 500 millions, n'importe quel montant, je paierai maintenant. Et qu'y a-t-il d'amusant dans tout ce que je viens de dire? Mon Dieu, je suis désolée. Mais je dois rire. c'est bon. Écoute, j'ai parcouru tous les 5 continents du monde. J'avais... Bien sûr, je sais quand même moi-même. Des personnes populaires autour du monde. J'avais un business, même à l'étranger. Alors, Prince Tennyson, que penses-tu vraiment que tu peux m'offrir? Quoi? Ok, très bien. Je sais que tu as été dans tous les continents du monde, peut-être. Je sais que c'est toi qui as maintenant tous les business que ton père avait partout dans le monde. Alors, que veux-tu de moi? Tu peux me dire ça. Prince Tennyson, j'ai fait un vœu à mon père avant sa mort. Et ce vœu serait respecté si on gardait l'héritage de la famille. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que par hasard tu peux comprendre l'implication spirituelle? Si seulement tu ne m'épousais pas, le sais-tu? Mon ami, il n'y a aucune implication spirituelle. Aucune. Tu sais, tout ça c'est faux, ce sont des mensonges. Je ne vois aucune vérité dans ce que tu as dit. Eh bien, si tu ne vois aucune vérité dans tout ce que je te dis, pourquoi ne pas appeler les yeux de Dieu? Vas-y, appelle-la. Et demande-la l'implication spirituelle si seulement tu ne m'épousais pas.
Tu sais quoi? Passe en revue tout ce que tu m'as dit. Mon ami, il n'y a plus rien à réfléchir ici. Je veux dire, comment diable suis supposé épouser quelqu'un que je connais à peine? Je ne te connais pas. Tu es vraiment une étrangère pour moi. En tout cas, je ne me vois pas passer le restant de ma vie avec toi. Je veux jouir de mon mariage. C'est mon mariage. Je me fous de ce que mon père avait avec ton père. Là, ce sont ses affaires. Je pense que j'en ai fini avec cette conversation. S'il te plaît, je pense qu'il faut que tu partes maintenant d'ici. Quoi? Je veux rester seul. Es-tu sérieusement en train de me demander de sortir? Je dis que je veux rester seul. Oh, alors, s'il vraiment? Te plaît, il faut que tu partes d'ici. Vraiment? Je vais t'épouser parce que mon défunt père vous a donné toute cette propriété. Bien. Je n'irai nulle part. Garde! Mes salutations, mon prince. Bien, salutations. Ta salutation est facile à reconnaître. S'il vous plaît, mon prince, je suis vraiment occupée, s'il vous plaît. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu n'es plus du tout une enfant, viens là. Mon prince. Hein? Tu devrais être sûr que des mains royales sont en train de vouloir toucher ce joli corps d'ange. Reste là. N'ose pas bouger. Ne bouge pas. Mon qu'est-ce prince, qui va pas avec toi? Reste là. Mon prince, la reine est en train de m'attendre dans sa chambre. Ferme là. C'est à toi que je parle, tu me parles de la reine. Je suis le prince. Et je te dis d'attendre. Ne bouge pas. Surtout ne m'énerve pas. Ok? D'accord, monsieur. Alors attends. Ouais. Où est-ce que tu vas? Reste là. Ne cherche pas ce que je te poursuive. Reste là. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. D'ailleurs, je me disais que tu ne vas plus revenir. Pourquoi je ferais ça? Quand tu m'as déjà ensorcelé, tu as volé mon cœur et cela ne fait que m'attirer à toi. Hein? Mon prince. Viens. Mes bras sont assez grands pour te protéger. Mais mon prince, je ne suis pas sûre que ton peuple va m'aimer. Ils n'ont pas le choix. Moi, je te veux et c'est tout ce qui compte. D'accord? Écoute-moi. Tu sais, il arrive un moment dans la vie d'un homme où il faut abandonner la tradition et ne pas faire attention à ce que les gens diront pour ça. Mais plutôt, suivre son cœur. Et c'est toi, mon cœur. Tu y as mon cœur. C'est toi que je vais suivre. Mon prince, franchement, je ne sais quoi dire. Mais tu n'as rien du tout à dire. Non, mon prince, s'il te plaît, tu dois partir avant que l'on puisse te chercher. Il s'est fait déjà noir. Oui, il commence déjà à faire soir. Il faut que je parte déjà. Je te comprends très bien. Tout va bien. On va se voir demain. D'accord? Oui, mon prince. Tu as une jolie voiture. Tu peux l'avoir si tu veux. Non! Maman! Arrête, non? Maman! Maman, juste arrête de me nourrir de tous ces espoirs. Il n'a même pas un iota d'amour pour moi. Tu dois te calmer. Ce qui est arrivé, c'était pour mettre fin à son calme physique. C'est le moment
d'essayer un truc de nouveau. Quelque chose que tu devais faire il y a très longtemps. Et qu'est-ce que ça peut être, maman? Approche que je te le dise. Oh, maman! Écoute, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps à gaspiller, ne vois-tu pas ça? Tu dois la voir. Peu importe ce que cela peut signifier. Tu dois vraiment la voir. Et il doit faire ce que nous voulons qu'il fasse. Maman, mais pourquoi? Pas mais! Non, pas question! J'ai besoin que tu essaies toutes les possibilités. Ok? Juste vas-y. Et fais ce que tu as à faire. Ne pense à rien, juste fais-le. Va le faire. Vas-y, 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 vas-y. N'y pense pas, juste fais-le. Et qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Bien. Je ne peux plus attendre longtemps. Alors, j'ai décidé de prendre les choses en main. Dis-moi, est-ce que tu comprends que tu es en train de violer ma vie privée? Tu ne devrais pas être ici. Vraiment? Écoute. Reste là. Tu ne devrais pas être ici. Est-ce vraiment parce que... Ou plutôt, parce que tu as peur de ce qui pourrait se passer entre nous? Tracy, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ce qui devait vraiment être fait. En réalité, c'est que toi, tu dois m'aimer. Ça va être la dernière fois que je vais t'avertir de ne plus venir ici. Maintenant, sors. J'ai dit va-t'en. Sors. Sors d'ici. Quoi? Tu ne peux pas me pousser de la sors sorte. Sors d'ici. Sors d'ici maintenant. Maman, maman, cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas fonctionné. Je me suis juste donné une très grande honte. S'il te plaît, tu t'es donné un peu de répit. Il ne fait que jouer les durs à avoir. Et il a vraiment été décevant. Il ne l'est pas. Il essaie simplement d'être prudent, mais il va tomber. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand? Ok. J'ai un autre plan. Oh. Intéressant. La reine de Manigance. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Écoute, tu n'as pas le droit d'être frustré comme ça. Très facilement, tu deviendras la reine. Alors écoute mon prochain plan. Ok? C'est moi, Laurie.
Laurie, je t'ai dit ceci et à plusieurs reprises, que je suis occupée. Ne peux-tu pas juste me laisser tranquille? Non, je ne peux pas, Ike. Depuis que tu as choisi de m'abandonner, je ne peux plus reposer. Laurie, ceci est la dernière fois, la toute dernière fois que je vais te prévenir. Ou qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu penses que c'est inutile de Anna est mieux que moi? Le problème n'est pas qui est meilleur que qui. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi? Peux-tu partir? Quoi? Va-t'en d'ici. J'ai dit va-t'en d'ici, va-t'en. Ike! Laurie. Laurie. Mais attends là. Oh, pourquoi tu ne peux pas me laisser respirer? Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Je ne peux pas. Écoute, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas refuser à mon cœur ce qu'il veut. As-tu fini? S'il te plaît, dérange sur mon chemin. Hey, Laurie. Maman, as-tu vraiment entendu ce que la voyante avait dit? Oh, elle a parlé à propos de nous. Et nous devons faire quelque chose. Immédiatement. Nous le devons. Je le sais. Sinon, nous allons être désolés. Et nous serons couvertes de honte. Qu'allons-nous faire maintenant? Quoi? Idée doit être affrontée. Et à présent, rien ne doit s'arrêter. Et cela veut dire que nous devons frapper où ça fait le plus mal. Nous allons tout reprendre par force. Nous ne laisserons absolument rien. Mais... Mon prince, la table est servie. Qu'est-ce que tu as dit? Mon prince, j'ai dit que ta nourriture est servie. Je t'entends pas bien, viens me parler. Je ne t'entends pas bien, qu'est-ce que tu as dit? Ta nourriture est servie, mon prince. Man. Maman. Désolée. Va dans ta chambre. Et toi, je disais, viens ici. Comment tu osais, hein? Comment tu osais? Pourquoi tu veux me prendre la tête, hein? Tu veux que je meure à cause de toi? Oh mon Dieu, ces garçons. Exactement.
Oh, merci. Salut. Maman. Voici Rolly. Rolly, c'est ma mère. Vous savez, Rolly ici est la fille que j'ai choisie pour le mariage. Oh, hey, mais... hey, hey. Écoutez, je veux que tout le monde ici respecte mon opinion, s'il vous plaît. qu'est-ce qui est drôle? Parmi toutes les filles dans tout ce grand monde, c'est cette chose que tu as trouvée pour l'amener dans le palais pour femme. Je veux dire, ça c'est une gifle à l'intérieur de la royauté. Prince Temison, as-tu perdu la tête? Et non, attention. Il a probablement perdu la tête. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Bien sûr que tu as perdu la tête. Je ne demandais pas votre opinion. J'ai parlé seulement à ma mère. C'est la seule à qui je dois une obligation ici. Elle ne va pas le permettre. Vas-tu le permettre, ma reine? Maman? Il a pris sa décision. Et il n'y a rien que je puisse faire à propos de cela. Vous avez entendu ça? Mais mère! Et voilà, les mots qu'on entendait tous a été dit. Rolly, viens là. Ma chérie, s'il te plaît, viens là. Viens, assieds-toi. Oui, maman, elle prépare très bien. Crois-moi, tu vas beaucoup aimer. Je suis aussi très bien préparé. Lori, tu pleures. Ça va. Tiens, je vais bien. Merci de t'être inquiété. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tu sais, tu peux m'en parler. J'ai dit que je vais bien. Lori, tu sais combien je te veux. Je ne sais plus de quelle autre manière je peux te dire ça. Écoute. Je suis amoureux de Ike. Je sais que... Il aime quelqu'un d'autre, Anne. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. S'il te plaît, si tu ne veux pas être déçue. Je t'avais conseillé de me laisser vivre. Juste... Laisse-moi tranquille. Lori. Lori. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Je t'avais dit d'arrêter de te traumatiser toi-même. Je te dis que tout s'est passé si vite. Et je n'ai jamais été effrayée comme ça de toute ma vie. Mais cela n'est pas un problème. La plus importante est que tu vas épouser le prince. Et rien ne va les stopper. Oui. Hey, regarde qui nous avons là. Oh. Rolly. Chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Oui, je peux déjà voir que tu vas bien. Ça se voit déjà sur ton visage, oui. Ton regard, oui. C'est bon du tout. Merci beaucoup. J'espère que tout s'est bien passé. Oui, ça va. Oui. Ah, ça, je peux déjà très bien le voir sur ton oui. visage. Oui. Ceci mérite une célébration. Oui. Oui, je vous jure, il faut bien célébrer. Oui, tu une sais. Une grande célébration, je vous dis. Pas de problème, je vais te chercher de quoi merci. Boire. Merci. Ok, Thierry, juste assieds-toi. Ah, merci, oh. Nous laissons. J'ai vraiment envie de boire bien aussi. Bien sûr. Allez, Ro, ce mariage ne peut pas être célébré. Jamais. Tu dois faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour arrêter cela.
Tu es la reine de ce royaume. Tu te dois de l'arrêter. Oh. Pourquoi j'ai cette impression que je ne dis rien d'important ici? Lady V, je suis désolée. Thémas, mon fils, a fait son choix et je ne peux le changer. Vraiment? Il a fait son choix. Je ne peux pas le changer. Alors, sois prête d'assumer les conséquences de ta décision. Cause I don't know what to say. Hey, my heart is beating cause it's broken, so to say. And I am crying cause that's all that I can do. So you tell me which way to go. Should I go, should I stay? My heart is aching me and I'm bleeding inside. Qu'est-ce qui t'amène dans mon sanctuaire? Tu n'as pas le droit de venir ici sans être invitée. Toi, méchante femme. Tu sais, je voulais vraiment que toutes les choses soient normales et naturelles. Malheureusement, aucun de mes pensées ne s'est accompli comme je le voulais. Toi, maligne que tu es, ta peau sera brûlée. J'ai un autre plan. Grande voyante de l'autre monde. Et tu peux savoir ce que c'est? Ma fille, Tracy, doit devenir reine de ce royaume. Ta fille Tracy ne sera jamais la prochaine reine. Relis. Et celle qui est choisie. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité que tu vas changer. Je ne le ferai pas. Tu le feras. Tu iras dire à tout le monde que Rolly est une sorcière. Que elle est là pour conduire le prince dans sa tombe. Que ma fille, Tracy, est la seule qui convient à devenir reine. Elle est la seule qui convient pour devenir la femme du prince. Tu crois que tu peux venir ici? Manipuler l'œil de Dieu et le faire danser à ton rythme? Cela n'est jamais arrivé. Mais tu le feras. Je ne le ferai pas. Pars de ma présence avant que je ne t'expose. M'exposer? Toi, tu veux m'exposer? Tu n'as aucun choix. Tu ne comprends pas? C'est moi qui vais t'exposer. Ha 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 ha!
Maintenant, tu comprends ce que j'appelle business. Penses-tu vraiment, idée, que j'ai tout abandonné? Ma vie, mon business, pour venir m'amuser ici? Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comme suite, tout le monde dansera avec mes pas. Tout le monde va jouer avec mes cartes. Et toi aussi, tu es inclus. Sinon, je mettrai à jour ton petit secret au village des Boas tout entier. C'est la réalité qui est devant nous. Oh oui, chérie. Ça, c'est la réalité. Devant nous. Et tout ce qui compte pour moi ici, c'est... You. C'est toi. Déçu le dieu. Une grande erreur a été faite au palais. Une grave erreur. L'œil des dieux. Dis-nous de quelle grave erreur tu parles. Je parle de ce que les dieux m'ont montré aujourd'hui. Une erreur grave qui amènera de graves conséquences. Et ceci va ruiner tout le palais entier. Ma reine, l'œil des dieux a dit quelque chose d'évident. Pourrions-nous suivre les choses évidentes? Qu'est-ce que tu veux dire? La seule chose qui s'est passée dans ce palais, c'est le mariage avec cette sorcière qui s'est passée dans... Hé, garde ta langue, femme! Je ne te laisserai pas mal parler de ma femme de cette manière. Jamais! Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, chérie, viens, s'il te plaît. On y va. Ma reine. Maintenant que l'œil des dieux a parlé, comment cela peut-il être une horreur? Reine Alero, il y a encore quelque chose que tu peux faire. Ne le penses-tu pas? Elle est déjà sa femme. Que veux-tu que je fasse? Sinon, elle peut avoir tort à propos de cette erreur. Tort? Mais non, ma reine! Ne la permets pas qu'elle t'amène dans sa sorcellerie comme elle a amené le prince. Ma reine, il reste le prince.
et dans un futur proche, il deviendra roi. Tu peux encore l'arrêter. Comme ça, elle ne sera jamais reine. Oui, et oui. Personne ne va arrêter cela. Personne, je veux dire. Vous savez, Rolly est déjà ma femme. Alors je donne un conseil à vous toutes ici. D'arrêter de venir entre nous deux. Parce qu'elle est là pour rester pour de bon. Qui est-elle? J'espère que je suis assez clair. Oui, mon fils. Je suis ici pour te soutenir. Donc c'est comme ça, mère. Très bien alors. Merci, ma tendre mère. La reine de notre beau royaume. Je dois faire quelque chose. Je dois vraiment faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose le plus vite que possible. Nous devons le faire. Je le sais. Tu sais quoi? Le prince t'appartient. Tu n'as aucunement le droit de t'inquiéter à ce sujet. J'irai encore une fois voir Idée. Et que va-t-il aller lui dire? Quoi? Je veux juste lui demander de revenir. De revenir ici. Et dire du mal de Rolly. Clairement, directement, sans mystère. C'est juste parce que... C'est parce que... Elle l'a envoûté. Raison pour laquelle tu as tourné de cette façon. Tu n'as rien à t'inquiéter. Ok? Et cette méchante sorcière... Elle quittera ce palais avec humiliation et honte. Le prince doit t'appartenir. Et tu dois devenir reine. Merci, maman. Merci, maman. Merci d'avoir été toujours là pour moi. Je ne peux te remercier assez. Je t'aime aussi, mon bébé. Merci beaucoup, maman. Que veux-tu que je t'apporte? Juste... Tu y as besoin du jus? Je veux juste que tu deviennes reine. Je le deviendrai. Merci beaucoup, maman. Je t'aime. Laisse-moi t'apporter quelque chose à boire, ok? Je te reviens. Ma fille doit devenir reine. Advienne qu'elle pourra. Chérie, tu es très belle. Et hey, tu es aussi très beau, Ikem. Tu sais comment je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais, bien sûr, je peux ne pas être en face. Mais je peux t'assurer que mon amour pour toi est bien plus grand que l'océan et Dieu. Ikem. Oui. Je ne me dérange pas que tu sois un prince ou quelqu'un d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Oh. Oui, et l'amour qu'on va partager ensemble. Tu es mon numéro un, chérie. Ah, merci. Tu es vraiment magnifique. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oui. Tu es mon seul et unique. Viens là. Mon unique. Mon amour.
Je t'avais bien dit ce que je voulais que tu fasses. Mais tu es allé là et tu as fait autre chose. Pourquoi c'est si difficile pour toi de suivre les instructions? Veille sur ta bouche, femme. N'oublie pas les lieux où tu as mis tes pieds. Oh, tais-toi! Tu peux la fermer? Comment oses-tu? Comment ai-je osé? Je serai là et j'agirai plus parce que tu es sous mon contrôle. Je ne te permettrai pas de désacraliser mon sanctuaire. Ici, c'est le sanctuaire. Lequel? Celui-ci? Vraiment? Est-ce que toi-même tu avais profané il y a de cela plusieurs années passées? Ou tu veux que je me mette à parler? Ok. Maintenant nous savons qui est le boss. Je suis ton boss. Parce que j'ai avec moi un tout petit secret qui te pousserait et ferait à ce que tu fasses tout ce dont je vais te demander. Tout ce que je pourrais faire jusqu'à ce que ma mission soit accomplie dans ce village. Ok, oui. Le vent a des oreilles. Laisse-moi t'expliquer comment serait la deuxième étape. Approche-toi. C'est ce que je veux que tu fasses après. Et alors, si mon fils, Thomason, avait fait une erreur, ou soit alors, si elles sont mêlées dans tout ça, et que je ferme les yeux, et si c'était le plan des Rolis, juste pour insinuer mon fils, ou lui tendre un piège. Non, j'ai réfléchi un peu trop. Princesse Idée reviendra encore pour nous dire ce qui est vraiment vrai. Je dois attendre. Et où es-tu en train d'amener toutes ces choses? Mes salutations, noble dame. La princesse m'avait demandé de la porter. Oui. La princesse mon œil. Oh, tu veux dire la fille sans classe du coin qui a perdu son chemin dans le palais? Ah, écoutez, elle n'est pas une princesse. Elle n'est rien du tout. Elle n'est personne. Et vous n'êtes pas obligé de lui servir. Vous devez simplement me servir. L'impératrice Ledvie et la reine. Me suis-je bien fait comprendre? Mais j'écris... Comment oses-tu? Quelle audace! Oh, tu es là. Je n'ai pas mentionné ton nom, ma chère. Tu sais ce que ça signifie? Tu n'es rien du tout qu'une ombre dans ce palais. Comprends-tu cela? Et qu'est-ce qui est si drôle? Trop de haine et de vénère condensés dans une seule personne. Ce n'est pas assez. C'est vraiment fou. Reviens ici. Es-tu stupide? As-tu perdu la raison? As-tu osé me gifler? Essaie encore de m'adresser la parole dans ces palais et je te tuerai de mes mains. Stupide. As-tu frappé ma fille? Oui, maman, je viens de le faire. Et je le ferai encore et encore.
S'il continue de m'insulter dans ses palais. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, évidemment, tu n'es pas vraiment occupée. Pendant que tu devais être trop occupée pensant comment tu peux concevoir. Oh, peut-être. Il se pourrait. Oh, que tu n'aies même pas de matrice. Je veux dire, ma reine, je ne peux pas croire à cela. Nous espérons jusqu'à ce moment. Ces moments cruciaux où l'on parle. Tu n'as rien à dire à propos de ce qui se passe? Dis-moi, tu peux croire à cela? C'est comme si cette fille a jeté un sort à notre reine bien-aimée. Exactement, ma fille. Ma reine. C'est assez, Ledvi. Maintenant, écoutez-moi, vous deux. Ceci doit être la dernière fois de venir jusque dans ma chambre pour me dire ce que je dois faire et ce que je ne peux pas faire. Maintenant, toutes les deux, dégagez de ma chambre. Je dis partez. Partez, à cet instant. Je dis partez. Ceci n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il se peut que la reine commence à nous suspecter. Oh, s'il te plaît. Enlève-la de tes pensées. Parce que maintenant, plus que jamais, le sort est jeté. Anne, qu'y a-t-il? Pourquoi ton visage est comme ça? Parle-moi. Ike, oui? Je suis inquiète. Peur à propos de quoi? J'ai vraiment très peur. De quoi as-tu peur au juste? Parle-moi. J'ai encore fait un autre rêve. Le même rêve. Non, non. Mais ce n'est juste qu'un ce rêve. Ce n'est pas juste un rêve, Ike. Dans ces rêves. Il y avait un environnement triste là où tu étais. Et tu étais là, mort. Que les dieux m'épargnent. Non, chérie, tu sais que ce n'est qu'un rêve. Ike, ça n'est pas juste un rêve. Es-tu sûre que tu n'es pas en train de me cacher quelque chose? Pourquoi? Je ne te cache rien du tout. Ne crois-tu plus en moi? Jure sur ta tête. Crois-moi, pénètre mon cœur, je suis en train de te dire tout ce que tu dois savoir. Et que... Crois-moi. Je ne sais pas quoi d'autre. Voyons, arrête tout ça. Allons-y, je t'en prie, j'ai quelque chose pour toi. Est-il vrai qu'elle a mis mon fils sous un charme? Ou soit c'est l'erreur dont la prêtresse Adée avait parlé. Oh, j'ai bien plus peur que cela ne soit pas une grosse erreur. Timmyson. Tu seras incapable d'enlever tes yeux sur moi. Quand tu traverseras cette porte, tu seras toujours derrière moi. Moi et moi seul.
Attends. Hé, que faisais-tu exactement ici? C'est à moi que tu parles? Je te parle, idiote. Qui d'autre est debout devant moi si ce n'est pas toi? S'il te plaît, évite-moi. Je ne fais que poser la question et je n'ai pas encore eu la réponse. Que faisais-tu ici? N'es-tu pas supposée déjà être enceinte? Je veux dire que cela devait être ta priorité. Je ne sais pas en quoi cela te concerne, si je vais être enceinte maintenant ou plus tard. C'est loin d'être ton affaire. C'est loin d'être ton affaire si je vais être... Toi la grande sorcière. Écoute, tu y as pris ma place dans ce palais. Et je ne resterai pas tranquille jusqu'à ce que je te verrai quitter ces palais de la tête aux pieds. Et d'ailleurs, et que diable se passe-t-il ici? Oh, nous avons juste une petite conversation. Je dois vous laisser, ok? Actuellement, ce n'est rien. Rien du tout. Bienvenue. Je vais te servir. Ta préférée. Grande sage, s'il te plaît, parle-nous. Il y a un corps étranger au palais. Et cet étranger court derrière le trône. Une personne étrangère dans le palais. Comment est-ce possible? Désormais, il n'y aura pas de cris des enfants. L'étrangère est stérile. Nous l'avons dite. Nous l'avions déjà dite. Ne l'avez-vous pas entendue? Une étrangère va s'ennuyer. Ah, sans enfant. C'est vraiment ça ton plan? Travailler à l'intérieur de ce palais. C'est si clair que tu ne peux pas concevoir. Honnêtement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas. L'œil de Dieu t'acquise en étant une étrangère dans ce palais. Oui. Es-tu stérile? Ça suffit maintenant, maman. Je ne te laisserai pas insulter ma femme comme ça. Je le refuse. Oh, pardon! Pardon! Ma reine, ne la laisse pas te manipuler avec ses larmes de crocodile. Ça suffit! Je dis assez! Chérie, on s'en va. Suis-moi. Elle est stérile. Elle est stérile. Sorcière, elle est stérile. Ta bouche est pleine de méchanceté.
C'est lui qui est pour la méchanceté, aura pour compte la méchanceté. Sois averti. Qu'est-ce que tu me veux? Le cœur de la vérité. C'est là qui a la vie. Ça, c'est ce qui t'a été assigné. Je suis sur la voie de la vérité. C'est ce qui m'a été donné comme mission et je suis une prétentieuse bonne femme. Ta bouche est remplie de venin. On ne peut être en même temps pour la vérité et les mensonges. Ni pour la mort ou la vie. De même, on ne peut prétendre aimer et haïr. Choisis où tu appartiens. J'appartiens ici. La terre où j'ai posé mes pieds, c'est là où j'appartiens. Ne sors pas de méchanceté contre ce royaume. Il y a des gens qui vivent dans le passé et d'autres font la rencontre du présent. Change ton cœur. Détourne-toi de ces voies. Tu trouveras ce que tu cherches. Je veux que tu ne me résistes pas. 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 Tu ne me résisteras pas. Tu ne me résisteras pas. Tu ne vas pas me résister. Ouais, un instant, j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui, bébé. Oui. Oh, bébé. Quoi? Témison! Bébé. Bébé, s'il te plaît, attends. Bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Hé! Hé! Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je te demande pardon? Hé! Tu as utilisé du charme sur moi! Je dis,
Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Arrête de jouer avec moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais comment tout ça s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Mais comment est-ce que tu m'as amené à faire ça avec toi? Comment diable l'as-tu fait? Comment tu peux faire ça? Comment oses-tu? D'ailleurs, c'est toi-même qui me disais que tu en avais vraiment envie, que tu n'as jamais eu le sexe comme ça auparavant. Ne blague pas avec moi. Ne blague pas avec moi. Parce que je finirai par découvrir tout ce qui s'est passé ici. Je vais découvrir tout ce qui s'est passé. Et je te promets. Je te promets. Arrête de me menacer. Tu verras ce que je te ferai. Et que penses-tu? Voilà ce que tu m'as fait. Que vas-tu faire? Je te jure devant Dieu que tu ne vas pas m'apprécier. Tu ne vas pas m'apprécier. Non. Non. Bébé. Comment suis-je supposé expliquer ce qu'il vient de se passer là-bas? Écoute, je sais que ce qu'il s'est passé là-bas était inexplicable. Mais je te promets que ce n'était pas moi. Mais je te jure devant Dieu que je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas moi. Je te promets. Laisse-moi tranquille. Chérie, je veux que tu comprennes que... Demison, je dis laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je fais? Demison, sors de ma chambre, va-t'en! Sors de cet endroit, va-t'en! Bébé, j'ai entendu. Va-t'en! Mais bébé, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que tu ne peux même pas me croire. Mais je suis là pour demander ton pardon. Autant que tu voudrais croire ce que tu as vu sur les photos qui t'ont été envoyées. Je veux que tu saches que je n'en sais absolument rien du tout. Cela m'étonne, juste comme toi. Alors chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Comment oses-tu? Comment oses-tu te tenir debout devant ma face et me mentir sans aucun sens de vérité? Comment oses-tu? Chérie, je te jure... N'ose pas de jurer! Ne jure pas! Tu ne me considères pas et ne me respectes pas non plus. Tu ne peux même pas t'exprimer. Juste laisse-moi non, tranquille. Chérie, non. Laisse-moi. Non, chérie, non. Laisse-moi non. Partir. Non. Comment peux-tu dire ça? Je connais le plan. Je connais tout. Le plan est de me mettre hors du chemin. Et tu les as rejoints. Évidemment que tu l'as fait. Merci non, beaucoup pour toutes choses, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, chérie, tu ne peux pas dire ne ça. Ne m'appelle pas chérie. Chérie. Idée? Oui? Tu connais la raison de ma présence ici? Oui. Oui. C'est moi.
c'est encore moi. Et je peux devenir ton cauchemar dans ce royaume. Tu ne peux pas refuser tout ce que j'ai comme choix. Tu y es obligé de faire tout ce que je désire. J'essaie de faire des choses humainement possibles. Mais personne, personne, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. C'est stupide, prince. Il est en train de rejeter ma fille. Alors je dois faire les choses de la seule manière que je connais. C'est supposé être ma fille. Ma fille est supposée être la reine de ce royaume. Ça ne peut pas être une autre personne que ma fille. Je dis ma fille. Ma fille, ça doit être uniquement ma fille. Est-ce que tu comprends cela? C'est l'unique manière que nous allons réclamer ce royaume de mon stupide mari. Il a donné le passage. Il a donné le passage. Pour cette chose insignifiante. Sans valeur. Maintenant, il est là. Comme prince. Et il pense qu'il peut aller à l'encontre de notre contrat. Et refuse d'épouser ma fille. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Cela ne va pas arriver. Je serai toujours derrière cela avant que cela n'arrive. Tout ce que tu as comme vision, véritable vision, sont invalides pour moi. Ce n'est rien pour moi. Tu dois repartir à nouveau. Ok? Maintenant, je veux que tu partes et que tu détruises toute la réputation de cette fille. Oui. Ah. Quoi? Essayes-tu de refuser? Essayes-tu de refuser? Non, dis-moi. Dis-moi si tu refuses, alors je verrai comment très haut j'écrirai à voix haute ton secret dans tout le village. Va de l'avant. Je patiente. J'ai pris bonne note. Reine. Lady V. Bonjour, ma reine. Lady V, soyez la bienvenue. Je suis là, avec ma fille. Vous êtes la bienvenue. Pour t'informer que ma fille, Tracy, est enceinte de ton fils, Prince Temison. Vous êtes en train de blaguer? Blaguer? Oh, ma reine. Pas du tout. Le voici. Regarde par toi-même les résultats du test. Et selon la tradition, le prince Tennyson doit épouser Tracy. Quand une femme passe à côté de la nature, son cœur devient dur. Être en contact avec la terre, c'est être en harmonie avec la nature. Une toile d'araignée n'est pas seulement un endroit pour dormir,
mais c'est aussi un piège pour ses pieds. Bois. N'as-tu pas peur de la punition que je peux t'infliger? Quand tu fixes la lune à un enfant, tout ce qu'il voit ne sont que ses doigts. Idée. Quiconque peut avaler de l'acide doit se rassurer de la grandeur de son estomac. Ne sois pas ainsi, vieille femme. Elles deviennent faciles quand les os secs sont mentionnés. Tu es déjà sur cette voie. Bois ne te laissera pas prendre cette terre pour acquis. Et qui es-tu? Maline. Quoi? T'es une femme méchante. Sorcière? Le prince doit épouser celle qu'il faut. Celle qui est choisie. Les dieux ont maudit ton sein. Non. La vérité a été dite. Les dieux sont sages. Non, cela ne peut pas arriver. Idée? Idée? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... Sorcière! Sorcière! Je le disais, il y a longtemps. Alors que tout le monde pense que je suis la méchante. Pendant que tu es la méchante. Méchante sorcière. Qui est prête à devenir sorcière? Le prince Temison. Ne peut-il pas voir que tout ton charme de séduction pour le prince ne font que te barrer la route pour gagner le cœur du prince? Tu y as échoué. Toi, méchante sorcière, qui viens se mettre à travers le chemin de ma fille. Ton temps est fini. Où es-tu? Je t'ai sorti de mon chemin, en dehors de ce palais, avec ta tête courbée de honte, avant que le pierre ne se casse. Demain, ok? Demain! Non, ceci ne peut pas m'arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment la prêtresse peut m'appeler sorcière devant tout ce genre? Est-ce qu'elle veut dire que tout est fini? Non. Non. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ma reine. Mais s'il te plaît, la fermer. Donc toi, tu ne peux pas mettre au monde. Et donc tu allais utiliser ta sorcellerie dans ces palais? Non, ma reine. Ils disent de mensonges. Tous disent de mensonges contre moi, ma reine. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Je suis innocente, je jure. Ferme-la! Ma reine, s'il vous plaît, écoutez-moi, je suis innocente. Ma reine! Rolly. Ce silence est en train de me tuer. Ta voix me manque. Tes paroles me manquent. Peux-tu s'il te plaît dire quelque chose? Il n'y a absolument rien à dire. Rien du tout. Juste... va de l'avant avec le mariage juste. Une personne ne va te stopper. Quoi? Rolly. Rolly, toi et moi savons que... ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux me dire ça? Tu veux que je continue avec le mariage? Mais comment? Est-ce que... tu peux me regarder dans les yeux et me dire de continuer avec ce mariage? Je l'ai déjà dit. Après quoi? Je n'ai rien dit de mal. Qui suis-je? La fille de personne. Et orpheline. Tout ce que je dirais ne serait absolument rien pour toi. Alors tu dois aller de l'avant avec ton mariage arrangé. C'est ce que j'ai dit. Va de l'avant. Tout ce que tu dis... signifie tout pour moi. Tu représentes le monde pour moi. Toi, tu ne peux pas être là et me dire toutes ces paroles. Non. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi dans les yeux. Et demande-moi de rester dans... Vas-y! Va de l'avant! Très bien. Comme tu décides alors. Temison te hait maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es rien d'autre qu'une statue. Voilà ce que tu es. Tu ne peux pas lui donner ce que je ne lui ai pas encore donné. Toi, vilaine sorcière. Non. Cet endroit n'est pas bon pour moi. Ikem. Oui, mon amour. Je me sens un peu triste pour ma sœur Oliu. Je veux dire... elle se sent un peu seule et abandonnée. Je me sens comme si tout ce qui se passe la tourmente. Depuis qu'elle est devenue la princesse de ce royaume, elle a toujours voulu que je sois heureuse. Et elle a toujours voulu que je reprenne les études et devenir la meilleure personne que j'ai toujours voulu être. Je comprends ça. Ne t'inquiète pas, ok?
Le truc, c'est que je ne supporte pas que tu puisses penser beaucoup trop. Au temps convenable, elle ira bien. Tu penses ainsi, Ken? Exact. Oh, je l'espère aussi. Exact, elle ira bien. Je t'en prie. Je vais juste commencer à prier pour elle. Je vais commencer à prier pour elle. J'aime pas ce qu'elle traverse dans ses palais. Relax ton cœur, tout ira bien. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu penses que je peux manger quelque chose avec ce que ma sœur est en train de traverser? Tu es juste inquiète, elle ira bien. Ok. Ok, je pense que je devrais t'emmener à la place du village. Tu connais ton plat favori, non? Ok. Dun, 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 dun. Ah, Laurie. Oh, Jimmy. C'est encore ton homme là, je suppose. Écoute, tu ne peux pas te mettre à pleurer comme ça et te torturer quand tu peux être ici avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, parfois, nous continuons à courir derrière ce que nous voulons. Oublions que ces choses-là sont juste devant nous. Merci. Il n'y a pas de quoi. Puis-je avoir un câlin, s'il te plaît? Ichi, est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, ça je sais, ne t'inquiète pas. Je... Oh! Salutations, Majesté. Les anciens de mon village, soyez les bienvenus. Merci. Prenez place. Désolé pour le retard, Majesté. Bien que l'invitation nous ait pris à pied levé. C'est pas grave, mes anciens. Je vous ai appelé ici pour discuter à propos de Prince Thomason pour la préparation de son mariage et du couronnement. Oh, ça c'est bien, Votre Majesté. C'est très bien. Alors, comment? Majesté, je suggérerais que nous... Disparais de mon chemin. Sois averti, Ndidé. Sois averti, je te dis. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Dans la terre des Ibo, rentre d'où tu viens. Immédiatement. Je l'ai vue. Toute noire. Tu en paieras le prix. Ça sera sur ta tête 10 000 fois. Tu feras le deuil du début à la fin. Détourne-toi de ta méchanceté. Les dieux sont en colère. Tu mens. Je n'ai dit rien de mal. J'ai dit la vérité telle que je la vois. Tu dis la vérité. Oui. Mais tu dis aussi des mensonges. La ruine qui va ravager la terre détruira les innocents. Détourne-toi du mal avant que cela ne soit tard. Sois averti. Comment? C'est vraiment nous, je dis pas.
Je ne peux plus encore rester ici. Je dois quitter cet endroit. Et c'est ce que je vais faire. Méchante femme. Tu m'as menacée assez longtemps. Ta fin est pour bientôt. Ma fin? Idée, tu as dit ma fin? Non, c'est ta fin qui arrive bientôt. Je parle de la méchanceté. Tu veux vraiment que je puisse m'exprimer? Hein? Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux plus me faire chanter. Tout doit cesser bientôt. Vraiment? Oh! Vas-y! Va de l'avant! Fais-le! Tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas? Je suis Dieu sur toi. Et tu feras exactement ce que je voudrais que tu fasses. Même ce que je n'ai jamais fait, tu le feras. Et tu sais pourquoi? Parce que je connais le fruit de ce petit plaisir. Elle est toujours en vie et très loin quelque part. Je crois que cela te fera perdre le sommeil cette nuit. Je suis sûre que cela ne te donnera pas de sommeil cette nuit. Et je vais me rassurer que tu sois toujours effrayée. Tu es tellement effrayée que quelqu'un ouvre sa bouche et fait BOUM! Alors tout le village serait informé de ton petit secret. Alors, maintenant, tu feras ma dernière bataille. Ok? Et aussi, je crois peut-être... Peut-être que je te rendrai la liberté quand nous aurons terminé. Alors approche. Viens écouter. Tue le prince. Enfin, regarde combien de temps cela a pris pour moi de me débarrasser de tout ça. Sans classe et personne. Tranquille, maman. Ce n'est pas tout, tu sais. Oh, vraiment? Quitter à un bon moment. Maintenant, nous allons l'utiliser pour notre avantage. Et cela doit se dérouler cette nuit.
Oh, qu'est-ce que je peux faire sans toi, maman? Nous sommes les inséparables, ma fille. Reine à l'héros. Reine à l'héros. Comme je poserai ceci dans ta chambre, tu feras tout ce dont moi et ma mère te diront. Que veut dire tout ceci? Vous ne pouvez pas entrer. Je vais entrer pour arranger la chambre de la reine. Non, c'est ce que la reine a donné comme instruction. Ouah! Qu'est-ce que tu me veux? Je suis venue t'avertir pour la dernière fois. Peu importe ce que tu choisis en cette minute, ainsi soit-il, je te donne la dernière chance pour te détourner du mal. Ne t'adresse pas à moi avec méchanceté. Je sais ce que tu fais. Elle n'a rien contre toi. Elle est juste en train de t'utiliser en te faisant chanter. J'ai un enfant. Ton enfant est parmi les riches. Son nom. Eroli. Elle croit être sage. Elle ignore que j'ai de l'avance sur elle. Lady V, c'est ici la fin de tes mensonges et de tes manipulations dans cette terre. La vérité doit être révélée.
Maman, qu'est-ce que tu veux dire que tu ne retrouves pas ça? Tu m'avais bien dit que la reine doit s'asseoir dessus. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie, que je ne sais où le retrouver. Alors, où ça se trouve? Je ne sais pas. Tu ne penses pas que la reine pouvait remarquer quelque chose? Je n'espère pas. Cela va nous attirer de gros ennuis. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Juste... Écoute, juste sois naturel. Ne fais pas ce qu'on puisse nous suspecter, je te dis. Personne ne doit savoir que nous sommes à la recherche de quelque chose, ok? Juste... Passe à autre chose, genre comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, tout ira mieux. Assieds-toi. Non! Non! Aléro! Hey, arrête ça! Laisse-moi te prévenir. Je suis la reine de cette terre. Je m'en fous! Comment ton fils, Temison, a dit qu'il ne va plus épouser ma fille, Tracy, simplement parce qu'il a juste entendu qu'elle a perdu le bébé? Sa grossesse? Ledvi! Je suis désolée pour sa perte, mais je veux que tu le saches maintenant. Ce mariage a pris fin. Oui, tu m'as entendu. Toi aussi, Alero? Même toi? Comment oses-tu? On verra. Qu'est-ce que tu es venue faire ici, Lady V? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui m'amène ici? As-tu perdu la tête, femme? Ton temps est arrivé à sa fin. Désormais, je ne suis plus disponible pour toi. Écoute, femme, je t'aurais prévenue. Et je veux te le redire encore. Tu dois faire ma volonté aussi longtemps que je voudrais. Plus jamais. Je te demande pardon? C'est fini. La personne contre qui nous avons comploté est ma fille. Je suis sur le point de faire rapport de toutes tes œuvres maléfiques au peuple de cette terre. Oh, tais-toi, misérable pauvre femme, et arrête d'essayer de me manipuler. Maintenant, écoute-moi. Je ne t'écoute plus. Pars maintenant de mon territoire et ne reviens plus jamais. Je fais rapport de tes œuvres maléfiques contre cette terre. Je crois que tu plaisantes. Ah! Je reviendrai, tu verras. N'était pas parce que je respecte beaucoup le chief Idoa. Je vois aucune raison de rentrer dans ce palais pour voir la reine et le prince. Après tout ce qu'ils ont fait pour moi, je ne vois aucune autre raison. Mais j'irai.
Oui. Ça va aller. Arrête, arrête. Tu sais, je suis vraiment chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je suis chanceuse de t'avoir aussi. Et je te promets aussi que je vais toujours t'aimer. Et je t'ai toujours aimé. Même quand tu ne voulais pas me parler, je savais que mon cœur te voulait toi. Je ne suis jamais tombée amoureuse avant. À un moment, j'ai pensé que je valais rien. Non, tu mérites bien sûr l'amour. Tu es plus qu'assez, ma chérie. Et même si je t'aime, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. Merci beaucoup, Jimmy. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, j'ai juste un peu mal pour mon ami. Le prince, toutes les douleurs qu'il est en train de subir tous ces derniers temps. Je comprends. Je ressens aussi la même chose que lui. Bien. Nous n'avons qu'à leur souhaiter le meilleur. Oui. Reviens ici. Tosan. Ha! Quoi? Hein? Qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Je veux que vous me laissiez tranquille. J'ai dormi hors du palais. Juste pour respirer cet air frais, voilà que tu es là maintenant à me déranger. Laisse-moi tranquille. Ah! Les péchés de ton père, désormais, n'auront plus aucun effet sur toi. Hey! Hey! Salutations, Boa! Salut! Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Rentre chez toi. Tu es libre. Les dieux sont avec toi. Ok. Nous devons quitter immédiatement avant que cela n'arrive. Maintenant! Quitter? Maman, je ne suis pas l'unique chienne dans ce mariage. Et certainement, je ne veux pas quitter d'ici. Nous n'avons pas le choix. Tu ne comprends pas? Nous n'avons pas le choix! Oh oui, nous l'avons. Pourquoi? Si je peux savoir. Parce qu'il y a un secret. Qui risque de tout gâcher si ça se faisait savoir? Et ce secret risquerait de nous mettre tous à nu. Dis-moi, nous parlons de quel secret, maman? Quel secret? Rolly est la fille de Idé. Alors toutes les choses que je lui ai demandé de faire contre Oli risqueraient de s'exploser dans tout le village. C'est pourquoi je te demande de m'écouter et quittons d'ici quand nous le pouvons encore. Mère, maman, tu ne peux pas être sérieuse. Quel Rolly? Rolly? Non, non, cela ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Non, ça ne peut pas être vrai. Où vas-tu? Reviens là! Reviens ici!
Ça, c'est à toi, n'est-ce pas? Non! Le charme que tu voulais utiliser pour tuer la reine de cette terre. Mensonge! C'est un mensonge! Oh, ok. Ok, je peux voir que tout ceci est un plan pour monter tout le monde contre moi. Vous mentez, ma reine. Ne les écoute pas. Elles sont toutes des menteuses. Lady V, t'es une diablesse. Est-ce que c'est vrai ça? Une menteuse. La manipulatrice de cette terre. C'est ce que tu es. Mensonge. C'est toi qui mens. Tu m'as fait chanter. Tu m'as poussé à dire des mensonges contre ce peuple. Quel mensonge? Mon prince, ma reine, ne les écoute pas! J'ai été défloré par quelqu'un que vous connaissez tous. S'il te plaît, je veux juste avoir un peu de ton temps. Je te promets que ça n'ira pas en vain. Je suis sérieux. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me poursuis? Je veux juste te parler, même pour une seule minute. Ah, est-ce que ça me regarde? Je n'ai pas le temps pour tout ceci. S'il te plaît, je ne peux pas te laisser calme tant que je n'ai pas encore eu le temps que je veux avec toi. Je promets que ça n'ira pas en vain. Vraiment? Oui. Tu as 3 minutes pour me dire tout ce que tu penses. Bon, ok, d'accord. Deux minutes. Wow. Mon nom c'est Inkule, un homme qui veut désespérément ton attention. Je t'ai beaucoup admiré de loin et maintenant mon cœur a vraiment voulu te voir, te parler et te dire tout ce qu'il ressent pour toi. S'il te plaît, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Idé. Quel joli nom pour une belle femme comme toi. C'est vraiment joli, je te dis. Est-ce qu'on peut être des amis, s'il te plaît? Oui, pourquoi pas. On est amis. Alors, je suis maintenant ton ami. Oui. Ok, puis-je avoir ton numéro? Oh, bien sûr, pourquoi pas. S'il te plaît, nous allons nous voir une autre fois. Hein, s'il te plaît. Mais pourquoi, non, désolé, je ne suis plus intéressé. Désolé. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Aider. Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Je suis désolée. Je suis désolée que tu puisses passer dans tout ceci. Et dans toutes circonstances, tu dois te renseigner. Ça, c'est ma 5e déception. Rien ne marche avec moi depuis que nous avons fini le service patriotique. C'est toujours une déception après une autre. Et la manière dont tout ceci arrive, c'est très étrange. Tu es une femme phénoménale. En dépit de tout, tu as la bonté du cœur. Mais ton devoir empêche ta liberté d'explorer. Tu ne peux pas nier ce que tu es. Tu ne peux pas le nier. Je ne comprends rien. Je ne veux rien de tout ceci. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu me proposes de faire maintenant? Mon opinion serait que tu retournes au village et que tu fasses ce qu'on te demande. Rappelle-toi que tu vas très loin de ton destin. Hein? Et tu n'as jamais eu une relation amoureuse très sérieuse. N'anticipe pas pour le voir que c'est normal. Je n'ai demandé aucune de ces choses. Je ne veux pas non plus de cela. Cette puissance traditionnelle m'a été transférée par mon père, contre ma volonté. Je sais. Je ne veux pas du tout de cela. Écoute, mon ami, nous savons que tu n'as pas demandé cela. Mais nous savons que tu viens de la lignée de prêtresses. Et cela est un privilège.
Ta nature est un lien. C'est ton tour de prendre le pouvoir. Si tu résistes, tu risques de te créer beaucoup de troubles. Beaucoup. S'il te plaît. Juste pense-y. Avant que je n'oublie, mon mari t'a passé ses salutations. Comment il va? Pas si mal que ça. J'en ai marre de tout ça. Non, ceci, t'inquiète, tout ira mieux. Je n'en peux plus. Tout ira pour le mieux. Ça. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Et où est votre femme? Elle est sortie, mais elle sera bientôt de retour. Elle est allée au marché. Oui, oui, asseyons-nous. Ok, merci beaucoup. Alors, comment va la vie? Nous allons bien. Et le business et tout ce qui va avec? Les affaires vont très bien. Et pour te dire vrai, tu as l'air d'aller très bien aussi. Gloire à Dieu, ravi de te rencontrer. Oui. Merci beaucoup pour tout. Alors, que puis-je t'offrir? Au moins, tu vas prendre quelque chose à boire. Rien, ça va, ne vous dérangez pas, ça non, va. Non, ne dis pas ça. L'ami de ma femme est aussi mon ami. Au moins, je dois t'offrir quelque chose à boire, tu vois. Et tu ne peux pas rester là sans rien boire. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça va, je vais bien, hein, franchement. Je vais t'apporter à boire. Enfin, si tu insistes. Voilà, très bien. Je reviens, d'accord. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est les tiens. Tu n'as qu'à l'ouvrir. Quoi? Tu es enceinte? Oui. À cause de toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a à se calmer? Ne me dis pas de me calmer. C'est une abomination pour une prêtresse de déconcevoir de cette manière. Regarde ça maintenant. Dire la vérité sur cet enfant va me ruiner. Je vais devenir une honte. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu crois que le fait d'être désolé va résoudre le problème? Tu as besoin de plus que le pardon. Calme-toi, s'il te plaît. Ton acte est grave. Et c'est une abomination. Tu dois passer par la purification, sinon tu ne seras plus en mesure de donner des enfants avec une autre femme. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu veux dire. Qui veux-tu? Me déshonorer? Qu'est-ce que cela veut dire? S'il faut que je me fasse purifier, tout le monde saura ce que j'ai fait. Ma femme mourra de manière étrange. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'as-tu pas pensé à ta femme quand tu m'as drogué? Quand tu m'as violé? Ton cerveau ne tourne plus. Écoute, laisse-moi te dire. Tu ne donneras plus d'enfants à moins que tu passes par la purification. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Menteuse. N'importe quoi. Disparais de ma vue. Tu dis que je n'aurai jamais un enfant. Ma chère amie, je suis ravie de cette décision. De prendre ta place comme la prêtresse du village. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu as soudainement changé tes idées. Ah, ah. Sans considérer le fait que tu étais contre ce pacte. J'ai le zèle de répondre aux bonnes choses dépendant de ma personnalité. Le zèle de servir mon peuple et de respecter mon père.
Tu es au courant de tout, non? J'ai essayé tant de choses, tu le sais, et rien n'est marché pour moi. Alors je ne vois pas pourquoi je dois commencer à tourner en rond. Laisse-moi juste l'accepter, laisse-moi vivre avec. Bien, c'est ta décision. Et je suis heureuse pour toi. Merci beaucoup, ma chère, pour ton soutien. Tu as été une bonne amie pour moi. Oh, allons, jusqu'ici. Je t'en prie. Encore une fois, je t'en prie. Merci. Je suis si heureuse de voir ces sourires. Mais tu dois apprendre à me respecter maintenant. Tu sais qui je suis, non? Eh, regardez-la. Regardez cette fille. Ok. Ça fait déjà 5 mois maintenant et le temps approche avec rapidité. Très bientôt, les gens remarqueront que je suis enceinte. Une vérité qui ne doit jamais être révélée. Je ne peux donner naissance à cet enfant ici. Mon mari, puis-je te trouver de quoi manger? Non, ma femme, je n'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons visité plusieurs grands hôpitaux de la ville et même en dehors de la ville. Tu meurs toujours. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Je veux que tu trouves une place dans ton cœur pour me pardonner. Qu'est-ce que ça peut être? Ma femme. Mon amour, je t'ai trahi. Et toute la moralité qui réunissait notre couple. Je ne comprends rien du tout, mon mari. S'il te plaît, sois un peu clair. Je t'en supplie. De me pardonner, s'il te plaît. J'ai couché avec ton meilleur ami, Idé. Elle est tombée enceinte. Elle est venue m'appeler pour aller au village pour la purification. J'ai dit non parce que si j'étais allé là-bas, tu aurais tout découvert. Et je savais que cela aurait mis fin à notre mariage. Non, 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 non. Dis-moi que tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Amène-moi au village. Pour la purification. Tu as fait ça à moi? Coucher avec ma meilleure amie? Jusqu'à la rendre grosse? Toi et Ida, vous vous êtes moqué de moi, dans ma propre maison. Vous m'aviez dupé. Tu sais ce qui est bon pour toi? Meurs! Meurs! Alors, l'avez-vous tué? On ne l'a pas trouvé.
Nous l'avons cherché partout, madame. Qu'est-ce que vous insinuez par vous n'avez pas retrouvé? Vous l'avez cherché partout? S'il vous plaît, partez et trouvez-la. Rassurez-vous qu'elle meurt. Ok? Dégagez de ma vue! Dégagez! N'importe quoi. Laura se propage partout. Et l'image n'est pas encore vue. Les dieux n'ont encore rien dit. L'œil des dieux. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas croiser nos bras et faire comme si tout allait bien ici. Ça ne sert à rien de revenir quand le soleil quitte son endroit. Chercher à dominer la lune. Je dois aller consulter le dieu. Dans les 7 prochains jours du marché. Je reviendrai. Et dans les 7 jours du marché, je reviendrai avec la parole de Dieu. Elle a parlé de 7 jours. Qui je suis n'est pas important. Tu dois vraiment être forte pour voir toi-même le bébé que tu portes. Alors pousse, pousse, pousse. Pousse. Tu le fais. Pousse. 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 Tu peux le faire. Pousse. Oui. Le bébé arrive. Pousse. Le bébé arrive. Vas-y. Pousse. Une dernière fois. Une dernière fois. Pousse. Une dernière fois. Pousse. Doucement. Le bébé arrive. Vas-y. Pousse. Une seule fois. Et c'est tout. Pousse. La personne que nous attendiez est maintenant de retour. Je peux le voir et je peux bien le sentir. Elle est sur le point. Notre prêtresse sera là bientôt. Nous avons entendu très longtemps. Tous nos cœurs étaient remplis de peur. Mais tes paroles ont éclairé nos cœurs. Nous anticipons de voir enfin celle qui est de notre. Cela passera. Notre roi doit vivre longtemps. Il vivra très longtemps. Rien qui peut venir des humains peut le blesser. Il vivra pour sa communauté et sa famille. Amen. Amen. À qui je vais donner cet enfant? Comment faire pour approcher les gens dans ce sens? Je ne saurais élever cet enfant toute seule. Sinon le monde saura la vérité. C'est lui n'est pas du tout bon pour l'enfant. Dois-je l'amener à l'orphelinat? En ville? Non, non, je ne peux pas amener mon enfant là-bas. Allez, c'est fini. Bébé, arrête de pleurer, hein. Fais dodo. Cola, mon petit bébé. Fais dodo. T'auras dit, Lolo. Allez, c'est fini, arrête de pleurer. Maman est là, hein.
J'ai pensé le confier à ma copine, mais ce n'était pas possible. Puisque je n'avais plus d'autre option, je m'étais décidée de le garder à un endroit. Pour préserver ma fille. Elle était encore toute petite. Je ne savais comment être avec elle. Ainsi, je m'étais décidée de la mettre où personne ne la verrait. Et après un temps, quand je suis allée chercher ma fille pour la récupérer, elle n'était plus là. Je ne l'ai plus retrouvée là. Elle est de retour. Exact. Et tous deux avaient vu l'enfant. Oui, nous l'avons suivi jusque là où elle se cache. Là où elle va nourrir cet enfant. Premièrement, j'ai besoin de la confronter moi-même. Mais d'un long moment, j'ai changé mes idées. Pour une raison de compromis, cet enfant ne peut pas vivre. Je veux que cette petite créature puisse être étranglée. Et vous deux, rassurez-vous. Faites un travail bien propre, sans trace. Ne vous inquiétez pas pour sa condition. Elle est vulnérable par moments, qu'elle ne peut rien faire. Elle est tombée toute seule. Et les dieux sont en colère contre elle. Je vous assure que nous ferons un bon travail. Oui. Bien. Alors retournez au travail. Chibedia. Pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai déçu tout le palais et tout le royaume entier. En allant dans un voyage spirituel, sans pour autant vous informer. Ton absence était vraiment un problème. Tu laisses le royaume dans un état d'incertitude. J'ai échoué. Mais mon erreur sera bientôt justifiée. Cette question de la spiritualité est une grande tâche. J'ai accompli ce qui me revenait. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est pour le bien de ce royaume entier. Bienvenue. Merci, Dieu. De notre terre. Je sais que j'ai commis une erreur. C'est ça donc la punition que vous m'avez donnée. Elle est innocente. Elle est innocente. Je suis prête à vivre les conséquences de mes actions. S'il vous plaît, prenez-moi en sacrifice. Je vous prie, pardon. Elle est innocente. Elle est innocente, s'il vous plaît. Je sais que je n'étais pas supposée le faire, mais je vous prie de les laisser juste ici, s'il vous plaît.
John. Hey! Où est l'enfant? Tu me demandes à moi? Où est l'enfant que je t'ai laissé juste là? Où est l'enfant? Je la surveillais ici, oh. Ici. Très bien. Hein? J'ai somnolé là un peu seulement. Je me réveille là, je ne vois plus cet enfant. Hey. Que veux-tu dire? L'enfant est entre vos mains. Si vous savez ce qui est bien pour vous, partez de cette forêt. Je suis encore enfant, la seule fille de mes parents. Comment prendrai-je soin de cet enfant? Va-t'en. Les dieux prendront soin de vous. Va-t'en. 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 Mais les dieux... Les dieux m'ont pardonné. Pamchi, c'est sur ça que les divines me faisaient chanter en tout temps. Mais elle, au contraire, a ruiné cette communauté. Elle n'a cessé de me faire chanter en ces sujets, jour et nuit. Elle m'a poussé à mentir. Elle m'a poussé à dire des mensonges. Oh, prince. Quelle menteuse tu es! Tu n'es qu'une menteuse! Je ne mens pas, Lady V. Mais seulement une partie de la vérité que tu n'as pas dite, c'est au sujet de Roily. Celle qui est ma fille. Hein? 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 Pourtant, je te l'ai dit. Je te l'avais dit. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Tous des menteurs. Mensonge! Mensonge! Ma reine, ne les écoute pas! Elles mentent! Menteuse, Lady V, je suis venue mettre fin à toutes tes œuvres maléfiques. Lady V, à jamais tu seras ruinée. Je te bannis de cette communauté pour toujours. Il en soit ainsi. Non, s'il vous plaît. Non, oh, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Non. S'il vous plaît, je suis innocente. Ma reine. S'il vous plaît. Ma reine, s'il te plaît, ne les écoute pas. Elles disent de mensonges. S'il te plaît, ma reine. Si j'étais vous, je serais déjà à des kilomètres de ce royaume. S'il te plaît, pardonne-moi. Garde! Oui, Majesté. S'il vous plaît. Jetez-les hors d'ici. Venez, suivez-nous. S'il vous plaît, Marie. Je dis jetez-les hors d'ici. Va-t'en. Tu es chassé de ce royaume. Sortez. À cause de tes intérêts égoïstes. Va-t'en d'ici. Sortez. Ma fille. Non, mère, non. Je suis désolée. Tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Non. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est bon, maman. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Juste ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un revu. Tu y as une place dans mon cœur. Je savais que c'était ton désir que je puisse réussir. Mais par contrainte, rien ne s'était passé comme prévu. Le lien entre la mère et son enfant
ne peut être reniée. Mère, je veux que tu fasses partie de moi. Je veux que tu fasses partie de ma destinée. Je veux que tu fasses partie de ma nouvelle maison. Je veux que tu fasses partie de mon existence, maman. C'est bon, c'est bon. Hmm? Ça va aller. Hmm? Ça va aller. Tout va bien. Should I go, should I stay? My heart is aching me, and I'm bleeding inside. Do I still have to stay? It's becoming so toxic, and I don't know what to do. Hey, hey. I am so broken, I am so broken. Somebody tell me which way to go now. Can I just end it? Can I still make it? So many questions. Which way to go now? All I do is cry every day until I drain all my tears. My heart is bleeding 'cause it is broken.